Fontenelle-Fleury, à l'heure du confinement et de la mobilisation, notamment pour les professionnels de santé de la ville, qui viennent désormais chaque jour à la pharmacie de l'hôtel de ville. Masque chirurgical. Ok, parfait. Une boîte de 50. Oui. Pour 3 infirmières. Ouais. Pour 15 jours. Et là, il me donne des gants, des charlottes et des masques. Il n'y a que lui qui nous approvisionne. Sinon, il faut qu'on aille acheter et qu'on aille courir à Coignières, au magasin de matériel médical. Effectivement, l'officine centralise désormais tous les dons de matériel et les redistribue aux professionnels de santé de Fontenay. En fait, si vous voulez, ce qu'il faut comprendre, c'est que en termes de dotation, on a besoin d'à peu près 1000 masques par semaine pour les professionnels de santé. L'État nous fait une dotation qui correspond à la moitié de ce dont on a besoin. Donc c'est pour ça qu'on fait appel à toutes les bonnes volontés. Donc si les Fontenaisiens peuvent soit nous donner des masques en tissu, ça nous aide, hein, ça nous aide beaucoup. Même des masques en papier comme ceci qui sont utiles, et on les double, mais qui sont utiles quand même. Après, les masques chirurgicaux, ça c'est très bien. Et grâce à la mairie de Fontenay, on a un ou deux Fontenaisiens qui ont des imprimantes 3D et qui nous fabriquent ces masques-là. Ces masques-là font vraiment barrière et ils sont très bien. Chaque contribution est par conséquent la bienvenue pour aider tous ceux qui sont en première ligne face au coronavirus. La mairie a d'ailleurs donné 900 masques ces derniers jours. Sachez par ailleurs que la pharmacie dispose de gel hydroalcoolique. Il faut cependant venir avec ses propres contenants.